Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal sur le budget 2018. À l'ordre du jour, donc adoption de l'ordre du jour, adoption du budget 2018, adoption du projet triennal d'immobilisation, publication du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisation et au point 5, la période de questions. L'ordre du jour. Merci. Alors, au point 2, adoption du budget 2018. Vous avez tous une copie entre les mains, je crois. Alors, on va y aller en lecture. Après ça, évidemment, quand il y aura les questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Alors, pour la portion revenus, taxe sur la valeur foncière, taxe foncière générale, résiduelle, 2 451 800, immeuble non résidentiel, 709 000, immeuble de 6 logements ou plus, 49 000, immeuble industriel, 33 800, terrain vague desservi, 18 200, pour un total de 3 261 800. Taxe de secteur, aqueduc. Oui. C'est important de dire qu'on les taux. Les taux, oui, effectivement. C'est quand même la bonne nouvelle. Donc, les taux n'ont pas été changés pour 2018. Il n'y a aucune augmentation de taxes, ni au niveau du taux. Alors, ça ne bouge pas pour la prochaine année. Taxe de secteur, aqueduc, 83 900. Assainissement des eaux, Cap d'Espoir, zéro. Total sur la valeur foncière, 3 345 700 $. Taxe sur une autre base, donc tarification pour services municipaux. La taxe d'eau, 204 700 $. Matériel résiduel résidentiel, 447 120. Ici, il y a une baisse, au fait. Donc, ça, c'est le taux de taxation de la régie intermunicipale qui a baissé de 20 $ cette année. Donc, on retarifie exactement ce qui nous est tarifé. Donc, c'était 250, ils ont baissé à 230. C'est exactement ce qu'on va recharger pour la prochaine année. Donc, il y a une petite diminution là, de 20 $ là, sur... sur la taxe d'évidence. Résidentielle. Résidentielle. Matière résiduelle non résidentielle, c'est logement, là, ça n'a pas bougé. Donc, 102 880. Traitement des eaux usées, 189 200. Traitement des eaux pour Cap d'Espoir, 14 080. Un total de 957 980. Le grand total des taxes, 4 303 680. Paiement tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec. Taxe sur la valeur foncière, 328 580. Compensation pour services municipaux, 46 380. Compensation pour l'État public, 25 750. Immeuble des réseaux, cégep et université, 8 800. École primaire et secondaire, 35 600. Pour un total de 445 110. Gouvernement du Canada, taxe sur la valeur foncière, 14 720, compensation pour services municipaux, 3 210, pour un total de 17 930. Total, paiement tenant lieu de taxe, 463 040. Niveau des transferts maintenant. Transfert de droits, la péréquation pour 2018, 453 780. Il y a une baisse de la péréquation cette année. Donc, je n'en avais parlé pendant la campagne, c'est quelque chose qu'on va tenter de travailler. Je fais une petite parenthèse là-dessus pour dire que c'est un peu dommage que ça baisse. La façon de calculer la péréquation, c'est quelque chose de vraiment très compliqué. C'est au niveau de toute la valeur foncière, c'est des calculs qui fait qu'on reçoit un montant comme ça. Et cette année, la redevance du gouvernement du Québec a été baissée de près de 50 000 $. Je continue. Transfert en temps de partage de frais. Transport réseau routier, 155 000. Mise aux normes des eaux potables, 475 000. Hygiène du milieu, redevance, 30 000. Redevance du parc éolien, 107 800. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une première cette année. En quelle année, Félix? Est-ce que tu te souviens, le moment où la municipalité avait investi dans la régie... On parle de 4 ans passés. L'année passée, on a eu notre première redevance qui était beaucoup plus modeste. Qui était 10 000 $, qui n'est pas inscrit dans le budget 2017 parce qu'à ce moment-là, quand il avait été fait en 2016, on ne savait pas quelle serait la redevance. Donc, on a eu quelque chose comme 10 000 quelques $ pour 2017. Puis pour 2018, ben, le montant a été... Donc, c'est ça. La municipalité avait investi dans ce projet-là. C'est un choix. C'est pas tout le monde qui l'a fait. Ça a valu la peine. Donc là, on a une belle redevance de 107 800. Redevance, non, aménagement et développement, aide, conseil, 34 700 et restauration du plateau, 3 500.
pour un total de 806 000. Donc, total de des transferts, 1 259 780. Donc, c'est à peu près équivalent à l'année passée, encore une fois. Services rendus. Administration générale, 4 000 $ Sécurité publique, 7 000 $ Transport, entretien divers, 457 000 $ Hygiène du milieu, 8 000 Aménagement, urbanisme et développement, 3 000 pour un total de 479 000 Imposition de droits, licence et permis, 7 000 $ Droits de mutation mobilière, 30 000 Droits de carrière et sablière, 20 000 Licence des chiens, 1 000 $ pour un total de 58 Des intérêts bancaires et arriérés de taxes, 71 500 pour un grand total de revenus de 6 635 000 Le montant que vous avez sur votre feuille, si vous voulez le comparer à 2017, qui est inscrit 5 934 200 c'est une erreur de frappe. Je vais vous le mentionner parce que ce n'est pas le montant qui est réel. C'est un budget équilibré pour 2017 aussi. Le vrai montant est 6 443 000, qui était le total des dépenses aussi pour 2017. C'était imprimé là quand je l'ai vu après-midi. Donc, OK? Fait qu'il y a une augmentation de 192 000 $ Au niveau des charges maintenant, administration générale, conseil municipal, 169 700 Gestion financière et administrative. Ça va? Ouais. Gestion financière et administrative, 472 300. Greffe, 119 000. Évaluation, 121 800. Gestion du personnel, 21 000. Autres, 141 610. Pour un total de 1 045 410. Sécurité publique maintenant. Police, 206 470. À ça est intégrée la subvention hein, de 2018. Dans le montant, oui. Elle est déjà intégrée. Oui. Hein? Okay. Parce qu'il y a une augmentation de la quote-part au niveau de la sécurité publique pour 2018. Par contre, il y a une subvention qui vient l'atténuer. L'année prochaine, ça va être autrement. Sécurité incendie, 271 820. Sécurité civile, 3 000. Autres, 15 800. Ou du transport maintenant. Voirie municipale, 768 500. Enlèvement de la neige, 672 800. Éclairage de rue, 93 000. Circulation, 3 000. Transport collectif, 29 570. Hygiène du milieu, approvisionnement et traitement de l'eau potable, 135 550. Réseau de distribution de l'eau potable, 79 500. Traitement des eaux usées, 194 450. Réseau d'égouts, 30 400. Traitement des matières résiduelles, 560 680. Environnement, 15 000, pour un total de 1 015 580. Logement social, 12 400. Aménagement, urbanisme et développement. Aménagement, urbanisme et zonage, 230 890. Industrie et commerce, 31 200. Tourisme, 3 220. 320 400. Excusez, pardon. Équipement récréo-touristique, 282 100. Biens patrimoniaux, 185 640. Pour un total de 1 050 230. Loisirs et culture maintenant. Centre communautaire, 37 000. Autres activités récréatives, 64 000. Bibliothèque, 23 500. Autres activités culturelles, 20 000. Pour un total de 144 500. Les frais de financement. Intérêt sur dette à long terme, 165 550. Frais d'émission, 13 600. Intérêt emprunt temporaire et frais bancaires, 23 000 pour un total de 202 150, avec un total de charges de 5 534 230. Conciliation des fins fiscales. Remboursement de dette à long terme, 869 200. Transfert à l'État des activités d'investissement, 135 000. Fonds de réserve et affectation, 96 570 pour un total de 1 100 770. Avec un total des charges et conciliation des fins fiscales de 6 635 000. Donc, voici pour la présentation du budget. Vous aurez des questions, pour nous les poser à la période sans lien. Est-ce que nous avons un proposeur? Mme Réel, M. Daniel? Mme Réel, qui a mis la main. Merci. Alors, au point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, le programme triennal d'immobilisation, vous savez que ce sont des orientations, ce ne sont pas nécessairement des dépenses qui seront engagées.
Au courant de l'année, il y aura des décisions qui devront être prises avec le programme. Ce sont quand même les grandes orientations et les besoins qui ont été établis par rapport à nos immobilisations puis les acquisitions qui devront avoir lieu pendant les 3 prochaines années. Alors, pour 2018, les investissements au niveau administration, relocalisation de la bibliothèque de Percé. Écoutez, ça, c'est quelque chose que je tiens à faire une parenthèse parce que c'était déjà au programme triennal des années précédentes, donc il est resté là. Relocalisation de la bibliothèque, on parle de 200 000 $ pour la relocaliser. On en a parlé en conseil, c'est pas quelque chose nécessairement, comme je vous ai mentionné, qui va être fait. Le montant, il est là, mais il y aura des orientations avec le conseil à voir si on s'embarque dans quelque chose de cette ampleur-là, avec la volonté du milieu, n'est-ce pas? Aménagement du sous-sol de l'hôtel de ville, parce que plutôt là le besoin, au fait, c'est plutôt de l'espace qu'on a besoin, donc c'est au niveau de l'aménagement du sous-sol qu'on pourrait prendre des décisions éventuelles. Donc là, on a un budget de 100 000 $ pour ça. Au de l'informatique, 10 000 $ donc le total de l'administration, 310 000 $ Sécurité incendie, autopompe, citerne, caserne 62, 400 000 $ Je pense que c'était déjà au plan triennal précédent aussi. Oui. Hein? Donc, c'est un besoin imminent. Tout à fait. La durée de vie utile de l'autopompe de Percé est dans ces dernières années. Là, il y a un nombre d'années respectées pour passer les normes du ULC, la certification en matière incendie. Donc, même si les camions de pompiers n'ont pas beaucoup de kilométrage, mais il faut quand même les changer après 25 ans. Très bien. Merci. Véhicule d'urgence, ça va pour cette année. Mise à niveau des appareils respiratoires, 10 000 $ Donc, pour un total sécurité incendie de 410 000 $ Au niveau des travaux publics, rétro-caveuse, 100 000 $ Même chose. Camionnette et équipement de déneigement, 75 000 $ pour un total de 175 000. Hygiène du milieu, aqueduc, réseau de distribution, 50 000 $ Remplacement de bornes fontaines, 10 000 $ Remplacement des conduites, 500 000 $ Traitement des eaux usées, réseau de distribution, 30 000 $ Camionnette, 30 000 $ Station de pompage, 10 000 $ Et champ collectif d'épuration de Val d'Espoir, 150 000 $ Donc, même chose, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Le 150 000, c'est la part de la ville avec une subvention à 95%. Matière résiduelle, fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, 50 000 $ pour un total d'hygiène du milieu de 830 000 $ Ensuite, aménagement, urbanisme et développement, camionnette et remorque fermées, 50 000 $ Rénovation des centres communautaires, 50 000 $ Matrice graphique numérique, 25 000 $ Et projet de pot de surprise, 0 pour 2018. Pour un total d'urbanisme de 125 000 et un grand total des activités d'investissement de 1 850 000. Monsieur Caron, oui, est-ce qu'on fait peut-être avec 2019 et 2020 2019 et 2020 sont dans les colonnes suivantes. Là, si vous permettez, je veux juste aller au point peut-être plus important. Dans aménagement, urbanisme et développement, on avait mis des sommes en 2018 et en 2019 pour la rénovation de nos centres communautaires. Donc, on parle d'un 100 000 $ en 2019. Et d'un autre 50 000 $ en 2020. Nos 5 centres communautaires ont besoin de beaucoup d'investissements. On va se faire un carnet de santé pour identifier où les besoins d'investissement dans chacun de ces centres-là. Et on se prévoit des sommes dans les 3 prochaines années là, pour les remettre à niveau. Mm-hmm. Puis au niveau du projet de côte surprise, vous avez mentionné 0 $ en 2018. C'est un projet qui est sur la table depuis assez longtemps. On parle de plus de 10 ans. Ce projet-là va être lancé là, dans les prochains mois pour en arriver là, avec des travaux probablement vers les 2020. Il reste encore beaucoup de travaux à faire, là, la finalisation des plans, l'acquisition d'une certaine partie de terrain parce qu'il y aura de l'expropriation à faire par le MTQ pour faire les travaux, ce qui va nous amener là, nécessairement à l'entour de 2020 là, pour la réalisation de ces travaux-là. On parle des travaux là, de 10 à 12 millions là, pour corriger là, une problématique de sécurité routière à la 132. Parfait. Quand on parle de projet Côte Surprise, on parle de... On parle de la route des Failles jusqu'au camping Nature-Océan. D'accord. Corrigé d'entre autres la courbe. La courbe qui est en... Oui. Où il y a la halte routière. Très bien. Puis par rapport au centre communautaire, là, qu'on a mentionné aussi, le carnet de santé, oui. Qui a été au budget, là, qui est budgété pour l'année 2018, donc on va faire un état, là, carnet de santé des 5 centres communautaires. Donc, ça fait le tour pour le programme triennal d'immobilisation. Alors, on sera au point 4, publication du budget 2018 et du programme triennal d'immobilisation. Proposeur. Ah oui, proposeur pour un projet. Monsieur Daniel?
Merci. Donc, au point 4, publication du budget 2018 et du programme triennal. Publication, donc, comme il se fait à chaque année, la publication va se faire là, via les journaux locaux. Journal Le Havre, je pense, c'est bien ça. Le Havre et le SPEC, habituellement. Le SPEC, parfait. Puis, c'est sûr, il est sur le site Internet de la ville à longueur d'année, en permanence. Ouais. Proposition. Monsieur Saint-Croix. Monsieur Saint-Croix. Merci. Donc, ça en somme déjà la période de questions. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fréchette. Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Je voudrais revenir sur le plus récent au niveau du programme triennal. Oui. J'ai observé que sur l'ensemble des dépenses projetées, non pas engagées, oui. On avait 655 000 de véhicules, oui. Plus un 200 000 qui va venir en l'année 2020. Oui. Véhicules d'urgence. Oui. 655 000, c'est plus que 10 % du budget opérationnel de l'année. Est-ce que ces provisions-là sont pour 2018 sont intégrées au budget ou il y a des réserves? S'il n'y a pas de réserves, où est-ce qu'on va prendre l'argent pour réaliser? C'est de l'immobilisation. Ça ne fait pas partie du budget d'opération. OK. C'est de l'amortissement. Ça s'amortit, donc ça fait partie du programme d'immobilisation. C'est pas dans le budget courant. Okay. Ce qui est dans le budget courant, c'est par exemple, quand on parle de 400 000 pour un camion de pompiers, on a acquis deux camions de pompiers il y a 5 ans. Oui. On a terminé de payer cette année. Mm-hmm. Oui. Si on achète un nouveau camion cette année, on commence à payer l'année prochaine. Donc, on va en payer un au lieu de deux, à même le remboursement. De... Okay. Donc, il va bien falloir avoir de l'argent quelque part. Oui, mais l'argent est déjà là. On paye déjà pour les camions qu'on a achetés il y a 5 ans. La dette se termine, on va en remplacer par une dette pour un seul camion. Donc, ce qui est au budget d'opération, c'est le remboursement de la dette. Bon, j'en viens au niveau des opérations en ce moment-là. Mm-hmm. Est-ce qu'on a figuré qu'en achetant un équipement, il y a bien entendu un coût de financement, il y a bien entendu un coût d'entretien, et il y a un coût d'opération. Est-ce que ça, c'est prévu dans les montants qui sont inscrits ici comme provision? Bon, en fait, on remplace des véhicules qui sont plus âgés. Donc, c'est ça. Dans les prévisions d'entretien, tout est là. Okay. Mais de toute évidence, un véhicule neuf versus un véhicule qui a 25 ans d'usure... Devrait coûter un peu moins cher au niveau de l'entretien. Absolument. Et la même chose au niveau de l'opération, malgré qu'il y aura toujours... Peut-être pas au niveau des opérations, mais au niveau de l'entretien. Dans le fond, la dépense sera pour remplacer un camion de pompier 1992 par un 2018, par exemple. Ah non, ça j'en conviens qu'il faut renouveler la flotte et tout ça, mais dans une projection financière, on estime aussi l'ensemble de ces coûts-là, en tenant compte qu'il y a aussi de l'inflation au niveau de l'ensemble des dépenses afférentes. C'est calculé. OK. C'est parce que je voyais que j'arrive au budget. Oui. Au niveau des dépenses concernant la culture, ça occupe 2,18 Centre communautaire, activités récréatives, bibliothèques et autres activités culturelles, alors qu'on se défend d'être une ville quand même très ancrée dans l'ensemble de la culture. Est-ce que vous estimez que 2,18 c'est un montant qui est raisonnable ou qui est satisfaisant pour tenir compte? Ce ne sera jamais assez satisfaisant, M. Téchet. Ce serait souhaitable de pouvoir en faire plus, mais on a un budget qui est très limité. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour jouer là-dedans. Alors, on y va avec ce qui était là, on renouvelle ce qui était là les autres années. Hein. Vous voyez que, grosso modo, on est pas mal dans les mêmes dépenses. Là. Vous me demandez mon opinion? Je souhaiterais avoir un budget loisirs et culture augmenté, mais on y va dans la mesure de notre capacité. Est-ce que ça peut faire l'objet d'une profonde réflexion pour les prochains budgets? Absolument. Ouais. C'est déjà commencé. Ouais. Et on va en voir. En fait, ce que vous voyez, là, c'est un budget de transition. Hein. Ouais. C'est pratiquement copié-collé avec ce qu'on a fait l'année passée, avec la marge de manœuvre que nous avons. Et c'est pour ça que je suis raisonnable dans mes questions. Est-ce qu'on tente de faire dans la prochaine année, là, c'est vraiment de dégager le plus possible de solutions
pour être capable de changer notre situation ici. J'observe au niveau des revenus de taxes foncières une augmentation de 103 000 entre 2017 et 2018. Ça veut donc dire que la valeur foncière de l'ensemble des propriétés, du moins celles qui ont été fiscalisées à cette rubrique-là, a augmenté d'un certain montant. Et je voyais qu'il y avait une diminution à l'autre, de l'autre côté, transfert en temps de partage. Vous m'avez dit, vous nous aviez dit que c'était très complexe comme formule. Une péréquation, pardon? Oui. Ouais. Comment un joue sur l'autre? Est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer rapidement qu'est-ce pas que... Je ne suis pas en mesure de vous expliquer. C'est un montant qui arrive, M. Caron. Mais sans entrer dans les détails, il y a un lien entre les autres. Là, plus la municipalité, plus la richesse foncière uniformisée d'une municipalité est grande, donc moins la péréquation va être grande. Là, il y a un lien, il y a un calcul qui est fait là, par les affaires municipales d'une façon plus ou moins obscure. Donc... On sait qu'il y a un lien, mais on n'a pas les détails là, du calcul qui est fait, mais on sait qu'on est comparé avec des municipalités de notre taille. Okay. Et comme vous le constatez, notre richesse foncière a augmenté. Oui. Puis là, on voit le lien immédiatement, la péréquation a diminué. Donc, faut mieux pas être riche? Bien, sous cette rubrique-là? C'est une façon de voir les choses. Si on est plus riche, peut-être qu'on a moins besoin d'intervention de l'État. OK. Je vois qu'il y a une baisse substantielle quand même au niveau de la sécurité incendie pour 2018 par rapport à l'année précédente. Je ne sais pas si l'année précédente, on avait fait des engagements quand même assez importants. On a 80 000 de différence, ou autour de 80 000. Oui, mais ça, ça s'explique facilement. Au budget 2017, on avait prévu l'engagement de 6 pompiers sur une base permanente pour la saison estivale, pour avoir une brigade de pompiers toujours disponible. Malheureusement, cette initiative-là n'a pas levé. On n'a pas réussi à avoir les pompiers formés pour faire cet essai-là. Puis on a tout simplement enlevé ces fonds-là du budget 2018. OK. Enlèvement de la neige, on a une augmentation de 110 000. C'est pas tout à fait de 110 000, c'est peut-être une différence dans le calcul. Là, si vous regardez les revenus, sont un peu plus grands, 2017-2018. C'est que, en 2017, on appliquait directement les coûts de sel dans les revenus qu'on reçoit du MTQ, alors qu'en 2018, on a mis le revenu du MTQ intégral et on a ajouté le sel dans la dépense. Donc, on parle environ 60 000 nos coûts en sel pour les travaux du MTQ. Donc, les chiffres ne traduisent pas exactement le transfert des matières qui sont fiscalisées, pas fiscalisées, mais qui sont comptabilisées. OK. Ce qui est un petit peu intéressant à regarder, c'est les traitements matières résiduelles. On s'aperçoit que ça vient de la MRC. Oui. Traitement, et il nous baisse de 20 $ oui. De 350 à 330 ou quelque chose oui. comme ça. Et on a aussi une baisse de notre côté. Au niveau de traitement matières résiduelles, on a 548 à 560. Par contre, on a une hausse de 12 000. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on baisse dans un sens et qu'on augmente chez nous? C'est que c'est un montant par porte. Le montant par unité d'évaluation est passé de 250 à 230, mais nécessairement, il y a eu des nouvelles constructions, il y a eu un nouveau repartage du nombre d'unités dans l'ensemble des municipalités. Donc, ça coûte 20 $ de moins par unité, mais il n'y en a pas vraiment plus qui paye la facture au bout de la ligne. Oui, c'est parce que celui-là, c'est dans les dépenses. Oui. Ça leur appartient. C'est compensé. Nous, on est. Si je regarde le budget 2018, on est à 560 680. OK? On était à 548 000. Ce qui veut dire que si on était à 250, on est baissé à 230. Oui. Normalement, ce traitement de matière résiduelle-là, si c'est le même matière résiduelle, oui. C'est pas le nord, c'est pas les. C'est les eaux usées ou c'est les vidanges? Le 230 $ c'est l'ordure. Ça. Donc, on parle des trois bacs. OK. Mais celui-là, traitement de matière résiduelle, ce ne sont pas les déchets. C'est pas le recyclage. C'est pas. Matière résiduelle, oui, c'est ça. Compost, recyclage, ordure. Qui nous appartiennent dans notre budget en termes de dépenses. C'est une dépense. On reçoit une quote-part de la MRC.
C'est, au fait, on a toujours chargé, on aurait pu le laisser à 250, puis ça aurait absorbé l'autre facture. Est-ce qu'on a toujours chargé aux citoyens le montant qui nous est facturé par bac, 250, 230 pour 2018. Comme M. Caron vous expliquait, c'est qu'il y a plus d'unités. Donc, c'est ce qui fait que la somme totale du traitement des matières résiduelles, la quote-part a été augmentée. Moi, j'aurais cru que s'ils sont en mesure à la MRC de baisser. Ils le baissent sur l'ensemble, parce que c'est pas que la MRC, c'est la ville de Gaspé aussi. Hein. C'est une régie intermunicipale. Ouais. Donc, ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé ensemble. Donc, dans tout l'ensemble, c'est la cote-part par rapport au nombre d'unités. Tu veux? Remboursement de la dette à long terme, ça veut dire qu'on a une moins grande dette de 100 000 environ. Mm-hmm. Ce qui peut justifier le fonds réservé d'affectation, j'imagine. C'est ça qui vient meubler le fonds d'affectation. Et ce qu'on appelle le non-attribué, à peu près 100 000 là, le 96 000, là. Est-ce en qu'il vient de, il vient de là, en partie? En partie. Oui. C'est ça? Oui, c'est de vous, oui, en partie. OK. Parce que c'est des transferts entre... Deux vases communicants, finalement. Là. C'est toujours le même argent des citoyens, mais qui est attribué à certaines lignes budgétaires bien déterminées. Autrement dit, là, on a à peu près 100 000 de jeux non attribués. Oui. OK. Est-ce qu'il est possible, dans une analyse, de voir, compte tenu des nombreuses subventions qu'on fait à toutes sortes d'organismes, d'avoir un poste budgétaire pour ça, pour juger, pour estimer combien nous coûte l'ensemble de ces subventions à toutes sortes d'organismes qui se trouvent tout à fait justifiés de vivre dans notre environnement, mais qu'on ait une idée assez claire de ces engagements de l'ensemble des citoyens envers ces organismes. Bon, on va faire un tableau, mais au niveau de la structure, on ne peut pas le faire comme ça, parce qu'après ça, c'est réparti par poste budgétaire. Donc, on ne peut pas mettre le loisir avec autre chose. Là. Je veux dire, il faut que ça respecte les... Mais l'enjeu culturel, par exemple... Ben, pour avoir un tableau présenté, ça pourrait être fait. On pourrait le faire... À la présentation des états financiers, ça pourrait être fait comme ça. On pourrait démontrer qu'est-ce qui a été donné au courant de l'année. C'est pas impossible de le faire, mais ça sera jamais décrit soit dans le budget comme ça ou soit dans les états financiers. Ça reste des montants globaux. Mais on pourrait très bien présenter un tableau de ce qui a été attribué aux organismes. Ils sont tous faits en conseil municipal. Là. Donc, ils sont tous passés au courant de l'année. Ils sont mais tous à là. À la pièce, c'est comme des tranches de pain. Et finalement, on ne sait plus où est-ce que ça s'en va. Tant que son pain, on n'a pas vu le pain au complet. Et je voyais à l'autre hors du jour que vous aviez inscrit un autre organisme dans cette liste-là. Ouais. Des institutions ou des organismes subventionnaires. La liste de ces pas du tout, c'est pas une subvention. Ça, c'est un OBNL qui ont le droit de faire partie de notre mutuelle d'assurance. Oui, mais... Mais ça n'engage pas de frais à la ville, ça. OK. Ça n'engage pas du tout de frais à la ville. On reviendra tout à l'heure à la séance extraordinaire, où le point va être passé, mais ça n'engage pas de frais pour la ville du tout. Bien, en fait, je faisais référence aussi aux deux, trois subventions qu'il y avait eu dans d'autres conseils. Et ça me préoccupe constamment. Hein? Ça fait partie du budget, ça. Ils sont là dans l'année, ils sont budgétés à l'avance. C'est un peu comme les frais juridiques. Il y a des éléments de vie de notre communauté engagés par le conseil qui méritent peut-être d'être mieux explicités pour éviter toujours des questionnements. Et des... Ben, la période de questions est là au conseil, au moment où les résolutions se font aussi. Donc, c'est en toute transparence, ces montants-là. Il n'y a pas de montants qui sont négociés ici, là, à huis clos. C'est toutes les résolutions. Cet effet. Simplement, qu'on puisse poser les questions, puis il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle va répondre à vos questions, M. Fréchard. Et j'espère pour les autres aussi. À tout le monde. Merci. Mais quand vous pensez avant eux, il n'y en a plus de questions. C'est seulement sur le budget qu'est-ce que... Oui. C'est beau pour la période de questions? Alors, qui propose à lever? Madame Rien. Bon, c'est levé, mais bien Michel, on va te répondre. Fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire 58 à l'heure. Ça semble que
fait comme 10 ans qu'on a repris, qu'on ferme cette affaire-là. Ça coûte plus cher de fermer que le 400 en allant. Plutôt, ça fait 10 ans qu'on veut le faire, mais qu'on ne l'a pas encore fait. Ah bon? Ça fait 10 ans, un peu, mais ça fait au moins 3-4 ans qu'on met ces fonds-là. Puis ça fait partie des choses qu'on remet toujours à plus tard, puis on va le faire, c'est sûr. Puis l'entretien d'hiver pour les transports, j'ai vu que vous avez mis une camionnette. Peux-tu savoir où sont passés nos souffleurs? Les souffleurs sont au garage ou sur la salle. Ils marchent deux? Ils marchent les quatre. Ils marchent les quatre, mais il n'y en a pas un qui est venu chez nous. Ouais. Il n'est pas vieux d'hiver. Ça n'a pas été soufflé une fois. Je me demandais, je dis peut-être qu'au lieu d'acheter un truc, ça m'a acheté un souffleur, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y en a plus 20 mètres qui fonctionnent. Les quatre n'ont pas de marche. Ouais. Ouais. D'abord, il y a moins de chauffeurs. Oui, ça c'est vrai. Ben, non, c'est vrai. Allez. On a essayé, il ne faut pas répéter les autres. Merci. Bonsoir. Pour l'enlèvement d'arrêt, s'il vous plaît, pour le plaisir de l'ensemble. Monsieur Jean-François. Gagné, oui, c'est ça. Bravo. Bonsoir. Bonne mémoire. Dans le budget, dans le banc de la neige, il y a une différence de 120 000 à peu près. 60 000, c'est le seul. Le reste, c'est quoi? Les dépenses d'entretien, surtout de machinerie. Mais comment on peut les retrouver en revenus de plus tout d'un coup, puis en dépenses en même temps? Parce qu'ils n'étaient pas comptabilisés à bonne place. Le revenu, il n'y a pas de plus. Non, il n'y a pas plus de revenus. Il y a plus d'entretien. Non, mais les revenus d'enlèvement de la neige sont de 120 000 de plus à peu près, il me semble. Oui, bien, le revenu, on a un nouveau contrat, premièrement, on a passé un contrat de 417 à 457. Ouais. Puis dans le 417, on a enlevé environ 60 000 pour le ciel, fait qu'il en restait comme 350. Dans le nouveau, ben, on a toujours le 457 de revenu, mais on n'enlève pas le ciel directement dans le revenu, on l'a mis dans la dépense du budget. OK. Donc, ça voudrait dire que le nouveau contrat d'enlèvement, il nous donne 40 000 de plus, c'est ça? Oui. Par contre, on a des dépenses de suite de 40 000 de plus pour aller avec. Bien, les dépenses, c'est les mêmes dépenses. Le sel, l'année passée. Non, mais les dépenses, c'est 100 000 aussi. Oui, mais là, on a quand même augmenté le budget d'entretien. Okay. Le prévisionnel d'entretien, on l'a augmenté. Ça coûtait combien par année, à peu près, quand on n'avait pas? Parce qu'à un moment donné, quand on a commencé à faire l'enlèvement de la neige, on a dit on va aller chercher, se rembourser une bonne partie des sommes qu'on mettait en entretien. Là, on voit qu'on. Bon an, mal an, ça nous coûte quand même à peu près au-dessus de 220 000 pour enlever la neige et le restant du territoire de Percé. Est-ce qu'on a vraiment sauvé des sous en élargissant? Puis en... Avant, si ma mémoire est bonne, on revient en 2012, je crois qu'on payait presque 400 000 pour le déneigement de nos routes municipales. Juste nos routes à nous. Là, on est à soit 800 000, le chiffre. Non, ben, pour nos routes à nous. Ça coûte 200 à peu près. Incluant la MTQ, ça fait la différence. Tu vois, un revenu de 457. OK. Ben, ça vaut quand même la peine. Définitivement, oui. Ouais. Au niveau de la commercialisation touristique, le montant vraiment voué uniquement à la commercialisation, est-ce qu'il a changé beaucoup? Non. C'est le copier-coller de l'année passée. OK. Merci. On peut lever pour de vrai? Bon. Fait. Alors, Madame Riel, encore. Levez de l'Assemblée. Vous avez fait.